Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold. Ouais, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est en flotte. Je suis avec Alexis, on va faire une petite session, on a la journée devant nous. Et on va essayer de faire du brochet, de la perche, donc descendre, pas trop confiance, on a une journée qui est tout à fait correcte. Pas trop froid, quand on est de la saison, on est presque mi-janvier. On va essayer de voir si les brochets et les perches sont actifs. On va viser quand même des grosses perches, essayer de voir si on n'arrive pas à faire un beau poisson avant la fermeture du carnassier fin janvier. Voilà, allez, c'est parti. Oh, il y a du bon, hein. Il est sacré bon. Hein. Là, ça va de 18 mètres à 7 mètres. Il y a du monde, c'est bien dense en plus. Hein. On va bien toucher les poissons. Il hein, faut trouver le bon leurre. Ça marche pas ça. Je vais essayer un petit. T'es sûr, c'est pas des petites bulles? Non, c'est des écailles. C'est des écailles? S'il y a des écailles qui remontent du fond, mec. Pendu. Mini perche. Enfin mini, elle est un peu grosse pour foutre un vif quoi. Ah mais ouais. Ouais, quasiment au fond. Ouais, c'est trop gros pour foutre un vif ça, non? T'as un poil gros pour foutre un vif ça. Quoi? Ouais, c'est pas mal. En bas de la structure. Ouais, c'est pas mal ça. Je sais pas ce que c'est, mais... Ouais, c'est pas mal. C'est une grosse perche. Ouais. Oh, elle était mâchée elle. Ah, enculé. Elle s'est pris un pet en dessous. Elle s'est pris un pet en dessous. Ah, enculé. Elle avait le dessous un peu gonflé, ouvert. Hein? Ouais. Toujours la même. La fameuse? Fameuse, oui. Je pense que je vais essayer de foutre le marqueur au niveau du tombant. Ou ça pour empêcher bien le tombant. Quoi? Ah oui, j'ai mis au haut de tombant. Tu vois,
soit un peu juste en bas. Ouais. On l'a pas loupé. Pendu. Ouais, on va voir. Celle-là, je vais la remonter tout doucement. On va voir si ça change quelque chose ou pas. Hein. Vraiment tout doucement. Hein. Je me la suis fait en pégé. Ouais. En tout cas là c'est beaucoup plus gros. Je me suis fait en pégé. Ouais. Ah, ça a lâché. Ça a rempégué. Ça a lâché. Ah, ça retape dedans. Est-ce que je la laisse se faire défoncer ou est-ce que je la remonte? Ah, elle est petite, mais... Elle s'était fait empêguer. Pourtant, elle est pas dégueulasse. Hein. En tout cas, il y en avait. Soit c'est, à mon avis, soit c'est fait empégué, soit c'est une autre qui a tapé en dessous. Hein. Parce que c'était beaucoup plus gros à un moment. Non, elle s'est pas fait empégué. Ah, quoique. Non, non, non. En fait, j'avais une autre truc en dessous. Mais beaucoup plus gros. Là, tu peux pas remonter plus doucement. Hein. Si elle redescend pas, j'y peux rien. À part, c'est. Mais en fait, le problème, c'est qu'elles sont épuisées en arrivant à la surface. Quand t'attends trop. Allez. Animation à la con. Hein? Non, c'était ras du fond linéaire. Ouais, oui, c'est joli. C'est une grosse perche. Je vais lui faire un petit palier. Mais comme elle régule par le sang. Ouais, joli. Hein. Poisson qui doit pas être pas loin des 40. On va voir hein, si en remontant tout doucement ça. Le truc c'est qu'elles sont épuisées en arrivant à la surface. Donc elles ont pas assez d'énergie pour regagner le fond quoi. C'est ça le problème. Hein? Coffret de chez coffret. One up slug. Hop. Un petit peu, mais ça va, ça sort même pas par l'estomac, donc... Ah, un beau poisson. Un beau poisson, allez. Allez. Ouais. Bon, elle est redescendue, a priori. Vraiment une animation à la con, t'sais, j'ai fait à un moment, j'ai fait comme ça. Et là, ouh, c'était lourd. Non, je pense pas. C'est encore fat, ça. Hein. Ouais. Enfin, pas énorme. C'est joli, mais pas énorme.
Je vais la remonter un poil plus vite pour la faire pour qu'elle ait encore assez d'énergie. La remonte. Ah, décroché. Je vais vérifier que c'est pas coupé, mais je crois que c'est décroché. Ouais, c'est décroché. Hein? Il y a un pic d'activité là, faut en profiter. Je sais pas s'il y a que ça. Il y a surtout l'activité là. Tendu. Ouais, c'est encore une grosse. Ah, c'est vraiment joli là par contre. Ah, c'est vraiment joli par contre, comme perchasse. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est grosse, grosse perche là. On fait 40 quoi. On m'attendait à plus gros. Mais bon, c'est pas ça. 40. T'as un bon obstacle qui. Je le prenne sur le fond. T'en aimes beaucoup ou pas? Ouais. T'en aimes beaucoup? Ouais, j'aime un peu. T'as gonflé ou pas? Donc là, mon montage, une tête plombée 7 grammes, canne bien légère, un petit one-up slug couleur chartreuse, et au-dessus, j'ai un petit leurre pour essayer de voir s'il n'y a pas quelques petites perches, mais a priori, là, elle ramasse en fait le leurre sur le fond. Hop, 7 grammes, ça me permet d'être vraiment léger. Et j'arrive à atteindre le fond, ça me permet d'être vraiment planant, et que ça tape pas fort, ça martèle pas le fond. Et elle vient le chercher sur le fond. De toute façon, faut farfouiller dans la zone. Voilà, je pose le leurre au fond et je dandine un petit peu en décollant un petit peu le leurre du fond, reposé sur le fond. Voilà. Ah, et voilà, pendu. C'est vraiment l'animation. Là. Ah oui, c'est encore une grosse perchasse. C'est vraiment l'animation tang, tang, tang. Ouais. Ouais, c'est fat là quand même. Ah, c'est du gros là encore. Sur canne légère, t'as vu ce plaisir, regarde comment elle est bandée la canne. Ah, c'est encore du gros là. Tu fais quoi? Tu poses sur le fond? Des petits bonds sur le fond, et parfois je pose au fond et je dandine le leurre au-dessus, tu sais, des petits bonds. Là, j'ai fait des petits bonds. Non, c'est fat là par contre. Hein. Non, là, par contre, c'est vraiment ça. Ça monte toujours pas. Ça veut toujours pas venir. Ouais. J'ai un truc, ça c'est clair, j'ai un truc là. Là, il va y avoir photo, je pense, sur celle-là. Après, je tire pas très fort dessus, mais c'est lourd au bout. Hein. Là, il y a perche, on passe les 40 là. Hein? Ah, ouais, le bœuf. Ouais, 43, 44. Comme ça.
Il y a un bœuf. Mettre une photo. Ouais, hop. Petite photo. Bon. Ouais, je. 44. Oh, loupé. Oh, la frappe que je t'ai pris. C'est vraiment l'animeton. Dandiné. Des petits bons. Repose au fond. Ah, j'ai pris une belle cartouche là. Ouais. Une frappe. Ouais, j'étais à ras du fond. Et j'ai pas l'habitude de pas tirer sur cette canne. D'habitude, je la plie en deux. Fais gaffe avec ta main, t'as la main vraiment devant la bouche. Alors, on monte tout seul. Là, sur le one-up vert, t'es pas gonflé. Quoi ? Descends. Tu vois, sur la même colorie, hein, Léo. Ouais. On fait quelques masters aujourd'hui. Bah voilà. C'est pas mal. Hyper solide. Pas une grosse session, mais c'est quand même bien amusé. On s'est tombé vraiment sur les grosses perches, on a réussi à déclencher les grosses perches. C'est une animation très particulière, une couleur, c'était la couleur. Chartreux, il n'y avait pas d'autres couleurs qui marchaient vraiment. Et on a réussi à faire quand même des beaux poissons, des perches de 38 à 44, des petites, bon ça les petites, c'est des petites. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook pour être informé de toutes les pêches qu'on fait en temps réel et de plein d'autres informations. Et nous, on vous dit ciao ciao pour une prochaine vidéo.